sur une question, mais je vais commencer d'abord par les chiffres de l'IFO et de l'IEDOM concernant les mouvements politiques. Les chiffres ont été publiés il y a une semaine et demie, les chiffres sont en baisse. Qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment? Monsieur Legras, on connaît... Legras, monsieur Legras. Déjà, je crois que vous n'avez pas été invité à cette conférence, me semble-t-il. De deux. Donc, je ne crois pas vous avoir personnellement invité à cette conférence. Ça pose aucun problème. Je savais que vous sommes invités, je vous rends actuellement. Oui. Mais je répondrai à votre question, ce sera la seule que je répondrai, monsieur Legras. D'accord, très bien. Répondez. Alors, les chiffres de l'INSEE, ils sont communiqués. Globalement, ils sont communiqués pour une période précise. Les chiffres de l'INSEE sont ceux que des professionnels leur fournissent. Et aujourd'hui, nous mettons en place un observatoire statistique, puisque nous ne sommes pas totalement satisfaits des chiffres qui sont publiés, très clairement, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs et certains ne donnent pas tous leurs chiffres. Donc aujourd'hui, le Grand Conseil recense tous les chiffres, de quel horizon qu'ils soient. Et ceux qui ont été publiés aujourd'hui sont ceux qui se correspondent à la réalité du terrain. Les professionnels sont présents pour également les confirmer. Donc, d'autre part, on avait pu arrêter les statistiques dans la ville et les chiffres étaient extrêmement positifs. Et nous avons appris une baisse en maintenant des gens. Et les chiffres ont été publiés sur ceux nous avons arrêté les chiffres au Québec précisément à Jean et la région. Voilà. Puis ça le seulement où nous rentrons dans ce jeu. Voilà. Très bien.